Ensuite, pour vous dire que les Français ont de plus en plus confiance en notre politique vaccinale, c'est que d'autant plus que la communication est claire, nette et précise, et 51% on a dépassé la barre de plus de 51% de 50% des Français qui veulent se faire vacciner. Donc je pense que arrêtons d'être Cassandre, mais justement faisons confiance à la stratégie vaccinale qui, je répète, l'avis du comité scientifique présidé par le président Delfraissy est quand même souverain à ce niveau quant à conseiller et à orienter les choix politiques qu'ils sont. Moi, je pense que vraiment, et moi qui suis membre du Conseil consultatif national d'éthique, je connais personnellement des gens de très grande qualité et qui ont tous les discernements et les capacités de par leur cursus pour nous aider et nous donner leurs avis pour guider justement notre stratégie. Louis Fouché, on a entendu le Premier ministre se justifier de cette lenteur au démarrage par le fait qu'on a choisi de vacciner dans les EHPAD. C'est audible pour vous? Parce que c'est vrai qu'on entendait Jean Castex, on avait l'impression que tout avait été très bien fait en termes de campagne de vaccination, pour le moment en tout cas. On se contrefout des modalités pratiques de la campagne de vaccination, en fait. C'est une narration dans laquelle on vous emmène, vous empêchez de réfléchir réellement au fond. Au fond, c'est est-ce que ce vaccin est utile? Est-ce qu'il est risqué? Est-ce qu'il est prudent de le faire? Est-ce que la balance bénéfice-risque a été bien pesée? On cherche à vous emmener toujours dans une narration disruptive, essayer de vous couper l'herbe sous le pied pour toujours aller plus vite. On est toujours en retard, on serait toujours en retard, il faudrait se mettre en conformité. En fait, ça, c'est du délire. Est-ce que vous avez déjà pris une décision dans votre vie dans la précipitation et dans la peur, qu'il se soit révélé une bonne décision? Ah non. Donc en fait, vous devez prendre le temps de regarder. Les seules données que vous avez sur ce vaccin Pfizer-BioNTech pour le moment sont celles fournies par le laboratoire sur un essai de phase 3, même laboratoire qui a été condamné sur ces 10 dernières années à plus de 800 millions d'euros de dollars de condamnation pour données frauduleuses, pour falsification de données et publicité mensongère. Donc vous devez à tout le moins être prudent, c'est ce que vous dit Aristote, il vous dit soyez dans la phronesis, l'intelligence du courage, la prudence en fait, la sagesse contextuelle. La sagesse contextuelle, c'est de regarder, c'est sûrement un très bon outil que les vaccins dans cette histoire, mais ce vaccin-là, vous n'avez aucun recul dessus. Donc en fait, vous devez regarder l'efficacité chez les plus de 75 ans, par exemple, dans les 7 phases 3, l'intervalle de confiance va de moins 12 à 100. Et donc en fait, vous ne pouvez pas conclure, c'est absolument pas significatif. Vous ne savez même pas si ça protège ou si c'est toxique. Vous n'en savez rien. De même sur les effets secondaires, dans les 5 premiers jours, le CDC a fait un rapport d'étape qui a montré qu'il y avait plus de 2,8% d'effets secondaires qui induisaient des arrêts de travail prolongés, une cessation de l'activité quotidienne normale pendant plus de 48 heures. Donc attendez, restons calmes, quoi. Regardons, soyons prudents en fait. Et donc moi je suis très content que ça patine au démarrage parce que ça permet de protéger mes concitoyens et de leur laisser aller regarder en face quelles sont les vraies datas dont on dispose pour savoir si ce vaccin est sûr, s'il est efficace et si on ne devrait pas prendre son temps. Et puis les laisser regarder autre chose, c'est toutes les thérapeutiques alternatives qui sont en train de se faire jour au cours des études, que ce soit le cuivre, la vitamine D, la vitamine C, l'hydroxychloroquine, le zinc, le Zitromax et l'ivermectine. Toutes ces stratégies-là n'ont même pas été regardées en face, alors qu'elles sont hyper intéressantes. Vous avez une létalité à l'IHU de Marseille pour ceux qui sont traités, ne serait-ce qu'avec une toute petite partie de ce que je viens de dire. L'hydroxychloroquine, il n'y a pas eu un franc succès en France, on vous le rappelle, Louis Fouché. Donc vous n'avez pas été entendu. Cessez de seriner ce que disent les médias mainstream. Allez regarder les travaux qui sont faits. Il y a plus de 200 études sur le sujet, plus de 170 études en peer reviewing. Donc il y a un moment, il faut regarder en face. Je crois que vos téléspectateurs doivent aller regarder ces 19 studies. Le Twitter d'Éric Chabrière, la chaîne YouTube de l'IHU, la chaîne YouTube de Réinfo Covid, et puis à un moment, regardez en face le fait que BFM leur raconte n'importe quoi, Le Point, Les Échos, etc. On n'est pas sur BFM, ça tombe bien. On va donner la parole à Marc Delatte, voilà, qui effectivement réagissait à ce que vous dites, mais voilà, c'est vrai que Marc Delatte, ce que dit votre confrère, parce qu'il est aussi médecin, eh bien, il faut l'entendre parce que c'est ce que pense aussi une partie peut-être des Français. Qu'est-ce que vous lui répondez, hein? Vous y parlez d'ailleurs des plus de 75 ans, ils vont se faire vacciner à partir du 18 janvier, a dit Jean Castex. Ce que j'ai entendu, c'est confondant. Je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. En tout cas, vos téléspectateurs le voient bien. Je pense que le cuivre ou le zinc n'ont pas montré d'effet sur la Covid. Et quoi qu'il en soit, on a commencé à vacciner depuis le 27 décembre. C'est faux. Allez voir les études, monsieur Delatte. En fait, vous devez travailler. Vous devez commencer à travailler. C'est la seule chose.
Il faut savoir, nous avons des certitudes. D'abord, c'est sauver des vies. Et merci au ministère de la Santé, et merci à l'ensemble des soignants. Et il faut bien savoir que c'est le vaccin. Il n'y a pas d'autres alternatives et que ce vaccin, on l'a bien, il y a un postulat. Il faut savoir que ce vaccin permet d'éviter des complications potentiellement létales. Il est normal et éthiquement normal que nous vaccinions en premier lieu dans les EHPAD, dans les unités de soins de longue durée, pour sauver justement ces personnes les plus fragilisées. Et puis en phase 2, bien sûr, les personnes de plus de 75 ans dès le 18 juin. Donc arrêtons ces inepties. Enfin, c'est incroyable d'entendre ça. Encore, on se croirait au Moyen-Âge. Et donc, le vaccin... Je m'adresse vraiment aux téléspectateurs qui regardent votre chaîne. C'est pour éviter les complications potentiellement létales et ça permettra aussi de désengorger nos services de réanimation. Sachons-le. Après, les incertitudes sur ce vaccin, combien de temps il va faire en sorte que nous soyons immunisés, on subodore, en tout cas la communauté scientifique, que ça sera entre 6 et 9 mois, un peu comme le vaccin de la grippe, que ça diminuera la propagation du virus, on le subodore aussi. Mais l'essentiel, c'est que ça sauve des vies et que ça diminue les complications potentiellement létales. Voilà quoi. Mais quand j'entends le cuivre, le zinc, mais dans quel monde vous vivez, monsieur? Mais vraiment, je ne sais pas. Moi, j'ai un petit peu honte pour la potion médicale. Vous allez lire la notice du Vidal, simplement. Allez lire la notice du Vidal, je vous en supplie. Et vous allez voir qu'en fait, l'essai de phase 3 n'a pas été calibré pour regarder s'il y a moins de gens qui vont en réanimation, moins de décès et moins de formes graves. Donc en fait, vous êtes en train de dire n'importe quoi à l'inverse de la science avérée. Le Conseil de l'Ordre pourrait même vous poursuivre pour ça. On ne vous mettra pas d'accord ce soir. En tout cas, les deux opinions ont été clairement dites.